Bonsoir, 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 bonsoir. J'avais promis que je faisais une vidéo aujourd'hui, hein. Merci, merci, merci pour les vœux d'anniversaire. J'essaye de... Bon, je parviens pas à afficher mon téléphone. Le jour 9 novembre à l'hôpital de Daido et c'est mon jour aujourd'hui. Malheureusement, avec cette histoire de Covid et le petit Emmanuel qui m'empêche de faire ce que j'avais prévu faire parce que je viens de loin, parce que j'ai eu trop de combats depuis 3 ans et que je méritais fêter cet anniversaire. Mais c'est pas grave. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini avec moi. Je me sers un café. Thank you.
Okay.
Contre la Covid-19, malgré la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains. Mettez les cœurs. Attendez, je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de signaler le direct, mais est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? Ah, d'accord. Maintenant, vous m'entendez alors. Merci, merci à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Les images étaient perturbées parce que j'essayais de fixer le chargeur du téléphone qui n'est pas bien chargé. Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né un 9 novembre au dispensaire de Deido à Douala. It's my birthday. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui m'ont souhaité un heureux anniversaire. Merci à ceux qui m'ont offert un petit présent pour me faire revivre ce jour de ma naissance, le jour où mes problèmes ont commencé sur Terre. Merci, merci. Ça me va tout droit au cœur. Merci une fois de plus. Merci à tous. Merci une fois de plus. J'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui parce que avec le petit malin là qu'on appelle Emmanuel là, son petit malin qui fait avec son histoire de Covid où ils sont en train de vouloir faire valider le nouvel ordre mondial avec Joe Biden qui est venu là et le monde des humains. Si on ne se tient pas bien, va connaître un gros bouleversement. C'est ça que je craignais. Je craignais qu'il fasse partie parce que je vais vous dire une chose. Je vois sur les murs de certaines personnes, ils sont très émotifs. Même Kenya qui a été victime de l'état du gouvernement du Cameroun, il jubile que Joe Biden ait remplacé Trump. Mais vous ne connaissez pas Trump. Vous ne connaissez pas Trump. Dans la vie, la personne qui gueule le plus, ce n'est pas toujours votre ennemi. Vous regardez par exemple une fille comme Marine Le Pen. Marine Le Pen est très amie avec Idriss. Je parle du renard de la forêt, mon fiston Idriss Déby. Mais elle fait savoir aux gens qu'elle n'aime pas les Noirs. Biden est plus dangereux que Lucifer en personne. Ils ont fait partie Emmanuel Trump parce que Emmanuel Trump a refusé de créer des guerres, a refusé de verser le sang. Et regardez pendant le mandat d'Emmanuel Trump, il n'y a pas eu de guerre. Mais là, les guerres vont recommencer. Vous jubilez, Joe Biden va vous apporter quoi? En dehors des problèmes. Joe Biden n'est pas là au hasard. C'est le nouvel ordre mondial qui arrive. Barack Obama a fait quoi? Que vous dites que Joe Biden, tout ce qui marche avec Barack Obama, c'est de la merde. C'est comme si vous veniez me dire que la CIA TV publie quelque chose, vous croyez à ce que la CIA TV dit. Tout le monde sait que c'est une chaîne de merde. Tout le monde sait que tout ce qu'ils peuvent pondre, c'est de la merde. Joe Biden, c'est qui? C'est comme si un matin, je voyais, ça dit, j'arrive chez moi, je vois mes enfants en train de mettre la CIA TV. Je vais les priver de télé pendant des années.
C'est pas possible, la sciatique ne peut pas exister chez moi. Parce que tout sort, tout ce qui sort de là est maudit. Vous jubilez que Joe Biden est devenu président des États-Unis. C'est par vous que ça va commencer. Parce que lorsque les remue-ménages vont commencer, c'est en Afrique qu'ils vont venir puiser l'énergie. Vous n'avez même pas encore résolu le problème de l'Afrique avec le fréluquet qu'on appelle l'ambassadeur de France là au Cameroun. Son nom c'est qui là? Son nom c'est même qui? L'ambassadeur de France là au Cameroun là. J'ai oublié son nom. Son nom c'est qui? Le gars qui part se balader dans nos villages là. Pas se balader dans nos villages là pour essayer de tirer au maximum nos pouvoirs de francs-maçons là. Son nom c'est qui, l'ambassadeur là qui se balade partout? Il se permet de parler sur notre territoire. Pourtant nos ambassadeurs ne font pas ça chez eux. Joe Biden c'est qui? Un Guilou, un Guilaine. Françoise Guilou. Françoise Guilou. Françoise Guilou. Joe Biden, c'est qui? Vous le connaissez où? Il a travaillé avec Barack Obama. Barack Obama qui était un pion. Mais vous avez jubilé parce que c'était un noir. Faites attention, sortez de l'émotion. Moi, je vois des gens sur la toile. Ils voient quelqu'un qui dit pas dans un mariage, on invite un chanteur. Quoi vous fait? Ça vous regarde en quoi? Les gens des loges des fratés sont en train de se resserrer entre vous. Ce n'est que vous là. Vous vous dites les enfants de Dieu, mais vous êtes toujours dans le divertissement. Le lance-clop, ils sont en train de se souder entre eux. Les francs-maçons se soudent parce qu'ils savent ce qui se passe. Le monde entier est en guerre spirituelle. Les Rosicrucien se soudent entre eux. Lorsque quelqu'un du Lance Club ou du Rotary veut faire sa fête, vous croyez qu'il va vous inviter? Parce qu'il a peur de vous, il va aller inviter quelqu'un qui est dans la même loge avec lui. Ils sont en train de se... Vous êtes là, vous dites que je suis la femme de Jésus, je suis la femme de Dieu. Qui vous a même dit que vous êtes même les femmes de Jésus et consorts? Vous n'êtes personne. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, mais vous êtes toujours dans la distraction. Vous êtes toujours en train d'aller entrer dans leur camp, mais ils s'en foutent de vous royalement. Ils s'en foutent de vous royalement. C'est votre énergie qu'ils prendront à la fin. Parce que lorsqu'on leur demande les sacrifices, au moment du sacrifice, ils viennent vous chercher. Ils prennent vos énergies. Parce que le Lance-Club, le Rotary, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous ces gens, les sorciers du village, les vampires, comme la femme de Papa Mi, quand on leur demande les sacrifices, ils viennent prendre ça chez vous. Pourquoi leur donnez-vous votre énergie quand ils ne vous ont pas demandé? Même si les gens du Lance-Club ou du Rotary organisent leur mariage, ça vous regarde en quoi? Ils s'invitent entre vous, ça vous regarde en quoi? Vous qui vous dites les enfants de Dieu, pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil? Lorsque vous voyez quelqu'un que Dieu vous envoie pour vous ouvrir les yeux, vous êtes les premiers à le lyncher. Pendant ce temps, les satanistes, le monde des ténèbres, ils sont en train de vivre entre eux. Je vous avais dit ici dernièrement qu'au marché de Bonhomme, ça dit un salon de coiffure pour les tchèles, non? Un autre salon pour les lesbiennes, non? Et un salon pour les hétéros. Le monde est en train de se diviser. La guerre des religions arrive. La guerre des religions arrive. Je vous avais dit que la guerre des religions arrive. Quelqu'un fait sa chose, vous n'êtes pas de la même obédience que vous, que lui, taisez-vous. Ça ne vous regarde pas. Parce que ces gens ont des esprits. Quand vous vous occupez de les esprits, là viennent. Bon, moi encore, j'ai 18 ans. Je peux m'occuper de Hoha. Parce qu'eux et moi, on combat depuis des années. Et qu'ils savent que je suis leur maître.
Mais vous, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu cherches quoi dans les histoires des satanistes? Tu es sataniste? Tu n'as même pas d'abord la force de protéger ton champ magnétique. Vous avez voté Biden. Vous allez supporter les, vous allez en payer les frais. Trump a beau être grande gueule, il a beau être tout ce que vous dites, mais c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Je vais me répéter. Trump a beau être ce que vous avez dit, vous lui avez reproché, mais il avait la crainte de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Jusqu'en Kenya, Djibril Tchouaméni, Kenya. Paul Biya t'a bloqué au Cameroun. Joe va venir finir avec toi aux États-Unis. Hein. Joe est venu valider le nouvel ordre mondial. Hein. Comme vous voyez Manou là, le petit Manou là qui est à l'Élysée, à Paris là, à l'Élysée où c'est à l'Élysée. Un coup il arrête son coronavirus, un coup il recommence, un coup d'ici les fêtes de Noël il va vous laisser fêter Noël. Parce qu'il sait que le fond, le peuple français c'est un peuple poltron. Tant qu'on va puiser les ressources en Afrique pour leur donner et leur payer, et leur payer le fait, le fait qu'ils restent à la maison, ça ne les gêne pas. Mais les temps arrivent. Les temps arrivent où il y aura un bouleversement, même l'or bleu, il va falloir aller le chercher de l'autre côté, dans le berceau de l'humanité. Tant que le petit Manou puise encore ses énergies en Afrique, ça leur convient. Ils attachent leur nez là, tu viens, tu t'assois à côté d'eux, ils font leur petite manière à deux balles là. Lorsqu'on va fermer les robinets avec nos sales francs-maçons là, quand ils vont partir, vous allez faire quoi? Vous allez attacher vos yeux. C'est de ça qu'il s'agit. D'ici la fête de Noël, le petit Manou va vous laisser fêter. Parce que comme la fête de Noël, c'est une fête qui a été inventée par les Juifs pour se faire de l'argent à titre commercial. J'ai dit, celui qui ose se lever, il va s'asseoir. La fête de Noël a été créée à titre commercial. Il va laisser respirer. Après, il va recommencer. Mais je dis à un Manou, attends, petit Manou, je dis, hein, pour qui, pas les gens, même pour qui? Moi, je ne te comprends pas. Joe Biden est venu valider le nouvel ordre mondial. Point à la ligne. Joe Biden, ils ont commencé à Nice, non? Ils ont commencé à dire que l'islam a fait, c'est monté, c'est descendu. L'islam n'a rien fait. Ce sont eux. Ils ont besoin des matières premières pour fabriquer les armes, pour vous donner. Vous qui dites que vous êtes les enfants de Dieu, pourquoi vous venez? Oh, la fille de papa a fait ça. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Madame. J'ai failli dire une connerie. Pendant ce temps, les satanistes sont en train de se souder entre eux. Moi, si j'organise mon anniversaire, je vais pas aller inviter les gens des loges. Je regarde d'abord ton identité spirituelle. Si tu es dans les conneries, je ne t'invite pas. Je vais inviter les enfants qui ont peur de Dieu. Pourquoi lorsque les satanistes font leur chose, ça vous dérange? Est-ce que vous avez l'énergie à gaspiller? Prenez position avant que le nouvel ordre mondial ne vienne. Parce que lorsque le nouvel ordre mondial sera bien installé avec l'aide de Rome, vous allez envoyer vos enfants en Europe, en Occident. Même si on viole votre enfant là-bas, ils vont dire que votre enfant de 5 ans était consentante. Ils vont faire sucer vos enfants. C'est-à-dire que les éducateurs de merde, les éducateurs pédés, pédophiles qui sont dans les écoles, ils vont faire sucer vos enfants, leur sucer ce que vous connaissez. Et personne ne va les condamner. C'est moi qui vous dis ça. Vous qui avez la nationalité américaine, vous dites que vous avez voté qui? Joe qui? Je n'ai pas bien entendu. Vous avez voté qui? Joe qui? Donald Trump, c'est quelqu'un qui avait la grande gueule. Mais c'était quelqu'un qui avait l'onction divine. Vous n'avez pas l'esprit de discernement.
Vous n'avez pas l'esprit de discernement. J'ai vu des gens, lorsqu'on a imposé Emmanuel Macron à la tête des Français, hein, ils étaient contents. Mais vous avez un problème. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Et les satanistes prennent le dessus sur vous. Pendant que vous apprenez, que vous entrez dans leur monde et que vous découvrez qui ils sont, ils changent de stratégie. Ils changent de stratégie. Les gens se rassemblent entre eux. Parfois, ils vont finir même de faire leur fête. Après, ils vont partir là-bas pour étudier la stratégie, comment venir puiser votre énergie. Vous bavardez. Vous bavardez. On envoie un cœur. Ils mangent son tarot avec les cœurs. Ça ne vous regarde pas. Laissez-les dans leur monde. Ils savent, chaque fois quand ils font quelque chose, ils savent que vous allez parler. Ça va vous intéresser. Vous leur donnez votre énergie. Vous leur donnez votre énergie. Les hommes politiques font leurs choses. À un moment donné, ils s'entendent. Ils sont dans les mêmes loges. Ils font leurs trucs. Ils veulent faire une sortie. Parfois, d'autres veulent même faire une sortie politique en grandeur. Qu'on ne se rende pas compte qu'il était de l'autre bord. C'est toujours vous. Merci pour le Happy Birthday. Les guerres vont commencer. Heureusement que les esprits aussi attendent pour les frapper. Il y aura aussi des crashs d'avion. J'avais dit ça depuis. Il y aura un crash d'avion d'une grosse compagnie aérienne. Ils vous ont déjà fait cadeau avec les églises. Je marche, marche, personne, il n'y a personne changé de disque. L'amour que tu envers ton prochain, le discernement. Pourquoi t'attaches-tu à quelqu'un que tu sais qu'il est sataniste? Pourtant, ton frère qui est un enfant de Dieu comme toi meurt de faim à côté de toi. Pourquoi? Pourquoi leur donnez-vous votre énergie? Les temps arrivent. J'avais peur pour les États-Unis. Je vous avais dit que les États-Unis ont le symbole de l'aigle. Dans la spiritualité, le symbole de l'aigle, c'est un animal très puissant dans la spiritualité. C'est pour ça que lorsque ça ne marche pas, on fait tout pour mettre les gens qui sont avec eux. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Donald Trump avait beau être zélé, fou, tout ce que vous disiez, mais c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Joe Biden. Moi, j'ai vu des gens qui étaient là. Oh, Joe, les petits émotifs. Paul vous a dépassé. On vous expatrie dans vos propres pays. Vous venez dire que Joe va faire quoi? Puisqu'elle voit d'autres que Joe va venir faire finir le problème du Cameroun. C'est vous qui allez faire finir le problème du Cameroun. Ce n'est pas Joe. Vous vous baladez dans les pays. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. En Angleterre, alors si tu veux même acheter la tête de Lucifer, tu l'as. Les Indiens te vendent. C'est des pays qui sont, c'est-à-dire, Lucifer a son temple là-bas. Et il a ses succursales en France et en Belgique. Vous blaguez ou quoi? Joe Biden, c'est qui? Joe Biden vient vous mettre dans la merde, mes soeurs, réveillez-vous. Mes frères, Vous blaguez. La France est en mauvaise posture, je vous avais dit ça. Elle est prête à tout. Je vous avais dit qu'elle est comme une femme qui a sa rivale.
La France est comme une femme qui a sa rivale. Si sa rivale lui pique son mari, qui sont des minerais d'or, elle est prête à tuer ce mari pour que tout le monde paie. Le monde des ténèbres est en joie parce que Donald Trump est parti et Biden est venu. Oui, de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Joe Biden va vous le faire. Joe Biden n'a qu'un seul mandat pour vous détruire. Il est là pour vous détruire. Un mandat pour finir avec vous. Bientôt, ils vont commencer à nous dire que l'islam est monté parce que l'islam ne se soumet pas. C'est une guerre des religions. C'est une guerre qui se passe dans l'astral depuis. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez de l'émotion. Tu vois ta soeur, elle vient te passer un message. Elle ne t'a rien demandé. C'est toi qui l'as. Par contre, dans le monde, les satanistes, entre eux, ils ne se critiquent pas. Tu peux les voir faire des guéguerres, c'est la distraction. Même le débat sur les chaînes télé, c'est la distraction. Le soir, quand ils se retrouvent dans les, on appelle ça les conventions. Leur réunion là s'appelle les conventions. Ils se serrent les coudes et ils disent, tu as vu telle personne? Dis donc. Ils croient qu'on est en conflit. Laissez-moi rire. Laissez-moi en rire. Lors des conventions, qu'est-ce qui se passe? Les satanistes. Lors des conventions, qu'est-ce qui se passe? Lors de la convention, qu'est-ce qui se passe? Les satanistes, eux, ils s'entendent. Lorsqu'ils voient que vous commencez à ouvrir la tête, à ouvrir les yeux, ils envoient leurs fratères venir créer les petits désordres, la médisance, c'est monté, c'est descendu, yakoyafi. Ils vous mettent dans la distraction et puis les lois sataniques passent. Vous allez gérer le nouvel ordre mondial comment? La petite franc-maçonnerie a envahi votre pays, le Rotary, le Lance Club. Un enfant à 14 ans, 10 ans, il est au Lance Club. Et ça parle. Ça veut dire qu'il est un lion. Et les lionceaux, les gens du Lance Club, c'est les auxiliaires de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Oui. Ça veut dire que ton enfant à l'école fréquente avec un petit lion. On lui a dit dans les loges qu'il est un lion, il peut avaler. Les pertes et les disparitions d'enfants, c'est eux, le Lance Club. Les hôtels. C'est le Rotary, les grands restaurants dans le monde, c'est le Rotary. Avec leur base c'est au Vatican, là où il y a votre soi-disant pape. Les plus grands hôtels au monde appartiennent aux gens qui sont au Rotary. Lorsque tu entres dans un hôtel, mon frère, ma soeur, tu viens, on a placé le miroir juste sous tes pieds, là où tu dors, en bas du lit. Tu dors dans le lit, tu te vois dans le miroir. Tu dors pour que c'est quoi? Tu leur dis, donnez-moi une chambre où je sais, où il n'y a pas de miroir. Ou plutôt là où le miroir n'est pas placé sur le lit. Ou plutôt tu bouges le lit. La nuit, il te contrôle à partir de ces miroirs. Il s'asseye sur les autels kabbalistiques, il te contrôle. La plupart des autels dans le monde appartiennent aux gens qui sont dans le Rotary. À 90% des autels et des restaurants, des grands restaurants. Partagez le direct.
Shalom et bienvenue à l'Institut d'études bibliques d'Israël, situé tout près des lieux. Dans un hôtel, vous avez payé votre argent comme si ça ne suffisait pas, on vous prend encore votre énergie. Ils sont toujours en train de vous prendre quelque chose. Ils sont toujours en train de vous prendre quelque chose parce qu'ils n'ont rien du tout. Oui. Après, vous allez vous demander que, ouais, pourquoi on me fait ça, machin et tout et tout. Ils font ça parce qu'ils croient qu'ils ont les droits sur vous. Parce que vous ne... La nature a ses lois. Imposez-la vos lois. Ne faites pas de câlin aux gens qui sont méchants, en fait. Ne soyez pas comme moi. Bamso Jean, tu dis quoi là? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Il est dedans. C'est mon fils, mais il est dedans. Imposez-leur vos lois. Partagez le direct, s'il vous plaît. On te pompe l'énergie, tu dors dans l'hôtel, tu sors le matin, tu es fatigué jusqu'à... Tu dors la nuit, tu restes rentré. C'est-à-dire le chat entre comme une perfusion dans ta chair, tu ne dis rien. On appelle ça en foulbé le cirque. C'est mystique. Le chien vient te mordre. Le matin, le chien m'a mordu et c'est le cirque. C'est mystique. C'est de ça qu'il s'agit. Les satanistes vous boivent votre énergie. Comme si ça ne suffit pas, ils vous imposent des gens qui vont venir encore vous piller sous toutes les formes. Vous applaudissez. C'est vous-même qui lui donnez le... C'est-à-dire, vous lui donnez votre accord. Joe Biden, c'est qui? Vous connaissez? Vous avez sa capacité spirituelle? Bientôt, on va vous imposer un autre sataniste au Cameroun. Hein? C'est en cours de préparation. Hein? C'est en cours de préparation. C'est pour ça qu'on vous combat beaucoup ces derniers temps. Mais Marco, le problème se pose que lors des colonisations, l'Afrique a été asservie spirituellement d'abord, et c'est-à-dire avant d'être asservie physiquement. Avec les canons des églises, les prêtres qu'on mettait dans les petits villages, tu vois un prêtre, il est à Niassoso là-bas au Cameroun, il part, il demande, lève-toi, Suka. Ah, il faut jeter ça, hein, parce que Dieu t'aime, hein. Vous croyez que Dieu ne sait pas que vous existez? Le monsieur qui est là, on ne vous a rien demandé. Il sait que vous êtes là.
Sortez dans la service. Bonsoir, Jean. Mon mur, ce n'est pas pour la politique. Mon mur, ce n'est pas le mur de politique. Parce que je vous connais. Vous êtes comme ça. Vous venez toujours prononcer les noms des hommes politiques sous mon mur. Et après, si ça ne marche pas, vous commencez à partir là-bas attaquer les gens. Moi, quand on m'insulte, moi, je frappe. Hein. Parle d'autre chose. Moi, je ne parle pas des hommes politiques ici. Comme si tu connaissais le personnage mieux que moi. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où vous allez comprendre que vous devez être virulent, jaloux de vous-même, ouais, bonsoir Jean. Tu parles de Kamto sur mon mur, pourquoi? Kamto, pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu m'imposes de parler de... Moi, je connais ton professeur d'université. Toi, tu le connais en tant qu'homme politique. Amène son nom là-bas. Kamto, c'est mon fils. Tu le connais mieux. Voilà. Ils nous demandent de laisser, d'abandonner nos ancêtres. Et eux-mêmes, ils viennent prendre les plantes qui vous soignent pour aller fabriquer les médicaments avec. Vous abandonnez vos ancêtres. Vous... Un frère comme Guillou. Un frère Luquet comme Guillou, qui n'a rien dans le pantalon, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère vos traditions. J'ai honte. Ici, chez eux, ils sont rien de tout, mais chez nous, ils sont tout puissants. J'ai honte. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur aller s'immiscer dans les histoires de la France ou de l'Allemagne ou de la Belgique? Vous avez, pointez-moi un ambassadeur camerounais qui est déjà allé se pointer dans leurs histoires. Qu'est-ce que Guillou fait dans nos villages? Qu'est-ce qu'il fait dans nos histoires traditionnelles? J'ai honte. Retournez au culte des ancêtres. Sinon, le monde va connaître un gros bouleversement. Avec la chose qu'on a mis au pouvoir aux États-Unis, là. Le voilà qui vient avec le nouvel ordre mondial. Vous allez faire comment? Tu amènes ton enfant à l'école. Un éducateur fait ton enfant le sucer. On va dire que l'enfant était consentant. L'enfant de 5 ans était consentant. Voilà là où vous allez en arriver. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les esprits... Vous utilisez le pouvoir de la parole pour imposer Trump a essayé d'attirer l'attention des Africains pendant son mandat pour leur dire prenez votre destin en main. La France ne peut pas aimer quelqu'un comme Trump, moins encore la Belgique. Regardez nos vies de tous les jours. Particulièrement, je vais vous dire, chaque fois lorsqu'une personne qui a un bon fond entre dans ma vie, que ce soit en amitié ou n'importe où, ou n'importe quoi, j'ai tendance à en rejeter. Ça sans prendre le temps de fouiller l'identité spirituelle de la personne. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, qui a une mauvaise âme qui vient, j'ai tendance à dérouler le tapis à la personne. C'est ce que vous faites. Vous personne est au
au Lions Club, comme m'a dit l'autre jour. Je suis au Lions Club, mais là-bas, on ne fait rien. Hein? Là-bas, on ne fait rien. Hein? C'est comme une tontine d'anima. Lions Club que je connais là. Lance Club, là, la sorcellerie qu'on fait, vous avalez les enfants. C'est le Lance Club qui fait disparaître les enfants. Quand on dit qu'un enfant a disparu, les enfants qu'on vole dans les hôpitaux. C'est des lions et des lionnes. Et vous savez ce que le lion est, le roi de la forêt. Ils se prennent pour des rois de la forêt, mais ils sont rien du tout. Tu es même là du Lance Club, tu es même à Nia Soso. Tu m'attaques, je te frappe, même si tu es du Lance Club. Je te frappe, vous n'êtes rien du tout, vous frappez, vous faites des conneries, même vos mères conneries, avec les gens qui n'ont pas de pouvoir, qui sont soit même du lance-top, même du triple lance-top. Tu ne fais pas pour tout à l'aide, je t'envoie sa puce simple par le bas. Et je dors tranquille, rien ne me fait. Rien, même pas une goutte de larmes. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en 2013, quand papa. Mes larmes étaient finies. Est-ce que vous voyez les larmes dans mes yeux? Il n'y a rien du tout. Rien. Banque, sois gentil dans la franc-maçonnerie. Tu fais quoi sur mes yeux? Un vampire. Ces gens, je vais vous dire, les satanistes, ils marchent en bande organisée. Je vous ai mis les photos sur mon mur. On les oblige maintenant à initier leurs enfants dans le berceau. Mais mes soeurs et mes frères, est-ce que vous savez que dans vos maisons, il y a des enfants avec qui vous ne venez pas de la même planète? Les enfants ne viennent pas de la même planète. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer encore ça. C'est toi qui les as mis au monde, mais ils viennent des planètes différentes. Lili Conchu Otep. Même vos enfants dans la maison ne viennent pas toujours de la même planète. C'est pour ça que vous, parmi vos enfants, il y a souvent un enfant qui vient d'une planète très élevée au point où il protège toute votre maison. Mais comme vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne parvenez même pas à voir cet enfant. L'ange qui t'y vient, il tire le pouvoir de cet enfant sous vos yeux. Sous vos yeux. Ou plutôt vous confiez l'enfant à votre mère qui est vampire, elle met le germe du vampirisme à l'enfant. On utilise maintenant le pouvoir de l'enfant dans le monde des ténèbres. Oui. Dans les familles, il y a des gens. Tu es né dans une famille, mais ce n'est pas ta famille. Tu peux être né dans une famille, mais ce n'est pas ta famille. Parfois, c'est des gens, Dieu te crée. Ton ange de nativité et de créativité t'affecte. Tu es affecté dans une famille qui n'est pas la tienne spirituellement. On t'affecte dans le ventre d'une femme qui a déjà passé, c'est-à-dire elle a déjà fait ses 7 vies sur terre, sa 7e vie. Elle a tellement fait du mal dans ses 6 vies précédentes qu'on veut se racheter. Toi maintenant, ton ange de la créativité et l'ange de la nativité, on t'affecte dans cette famille pour que tu ailles sauver leurs âmes. Quand tu arrives dans cette famille, la maman l'a dit, fait que du mal. Comme quand tu commences à Paris là-bas seul maintenant là, tu es là seul comme ça, tous tes frères et tes soeurs ne. Tu te plains, ouais, tout ce que je fais, mes frères et mes soeurs ne m'aiment pas. Tu n'es pas de la même famille que tu es venu d'une planète différente. On t'a affecté dans cette famille pour une mission. Je vais me répéter.
Il y a des moments où ne vous plaignez pas beaucoup. Parfois, vous êtes dans des familles. Ce n'était pas votre famille à la base. Mais parce que l'être humain a... L'être humain a cette vie. Il y a des parents qui ont fait tellement de mal dans leur 6 vies précédentes. Et ils sont à leur 7e vie. Ils continuent à faire du mal. Pour leur donner la chance de se racheter, de racheter leur âme, on t'affecte dans cette famille, mais ce n'est pas ta famille. Je vais vous expliquer. Tu ne viens pas de la côte de cette famille. On t'affecte dans cette famille. Tu as une mission précise dans cette famille, mais lorsque tu arrives dans cette famille, on t'accueille mal. Ils veulent faire du mal jusqu'au bout, même pour leur 7e vie. Ils te montrent le feu, on t'isole. Ils savent que tu n'es pas de leur côté. On t'a affecté dans leur famille pour venir sauver leurs âmes, mais ils ne veulent pas. Dans la famille, quand il s'agit de faire des tâches ardues, c'est toi. Lorsqu'ils veulent faire leur vie, tu n'es pas là. On ne te considère pas. Tu es là seulement pour donner l'argent. Tu es là seulement pour faire les bonnes choses, mais eux, ils ne te font jamais les bonnes. Ils ne prennent même pas les nouvelles de tes enfants. On appelle ça une âme qui a été affectée dans une famille. Je vais venir. Je vais prendre encore du café. La créativité. La créativité crée la personne. On choisit, il s'entend avec l'ange de la nativité. Mais alors, dans le monde, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Dans le monde spirituel, il y a des âmes, des personnes qui ont fait parfois la méchanceté parce qu'on leur a imposé ça. On t'a vampirisé à la naissance. Tu as fait le vampire dans ta première vie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ils ont pris goût. Parfois, il y a un enfant qui vient au monde, il vient du même monde que son père. Il n'a rien à voir avec sa mère. La mère n'aime pas souvent ce genre d'enfant. Parfois, c'est les enfants que la mère
Peut-être qu'elle était compliquée. Elle part, Nadine disait bonjour ma puce. Elle part faire coucher avec les esprits dans le monde démoniaque. Elle tombe enceinte des esprits. Elle dort avec son mari. Son mari monte sur elle. On dit que c'est le père de l'enfant. On dit. Mais c'est les enfants qui viennent d'un des esprits démoniaques. Maintenant, il y a des enfants qui sont affectés. Il y a des enfants qui sont affectés dans les familles. Mamisa, toi tu pleures, tu dis que tes frères et tes soeurs, est-ce que tu connais même ton identité spirituelle? Tu sais où si tu... Peut-être tu ne fais même pas partie de cette famille. Tu viens dans une planète ou dans une planète pour racheter leurs âmes. L'ange de la nativité et l'ange de la créativité peuvent maintenant siéger. Il y a telle personne, un peu comme une personne qui attend une greffe de rein. Voici un enfant qui a telle étoile, qui peut dominer l'esprit du mal qui existe chez telle personne qui attend qu'on lui donne une chance de se racheter. On t'affecte dans cette famille. L'ange de la nativité maintenant va dans cette famille. On t'affecte. La maman tombe enceinte. Tu es dans cette famille. Même si tu occupes n'importe quel rang, tu es différent des autres enfants. En grandissant, tu te rends compte qu'on ne t'aime pas. Merci Nadine Zé. Donne même le sel à terre, ils ne vont pas t'aimer. Oh. Parce que tu as été affecté dans cette famille pour sauver les âmes et ils ne veulent pas. Ils veulent faire du mal pendant leur cette vie. Du coup, tu les gênes. Tu es gênant. Parce que là où il y a les ténèbres, toi, tu vas mettre la lumière. Ils ne t'ont pas demandé. Ils disent qu'ils ne t'ont pas demandé la lumière. Ils disent, va avec ta lumière là. Béton, pas seulement. Ça dit, béton, on crame nos sept vies comme ça là dans le mal. Il y a les conceptions d'affectation. L'esprit de la nativité sait que cette femme est mauvaise. On t'affecte parce que tu as une étoile qui domine. Parce que ces gens ont une étoile qui domine, c'est-à-dire qui domine dans le domaine du mal. Toi, on t'a affecté dans une famille qui n'était pas la tienne à la base. C'est pour ça qu'on dit il y a les âmes sœurs. Parfois, tu étais l'enfant de ton père. Le monde des ténèbres a dérouté ton père, il est parti tomber sur une sorcière. Ton père est obligé ton père est obligé de t'accoucher avec cette sorcière. Mais tu n'es pas son enfant à la base, maman. Mais est-ce que le volume est bon? Je ne sais pas si vous comprenez ça, les affectations dans la créativité. Ta mère peut être une personne pieuse. Une personne pure. On détourne son destin. Au lieu qu'elle tombe sur son âme sœur, elle n'est pas tombée sur un sorcier ou un franc-maçon. Les enfants que l'esprit de la nativité avait créés pour elle, elle a oublié de faire ça avec cet homme. Maintenant, cet homme vient lui imposer le mauvais. Toi, tu viens de là, tu viens de la côte. Tu ne vas jamais t'entendre avec ton père jusqu'à la mort. Parce qu'il y aura un mélange, le bien et le mal. C'est pour ça que dans certaines familles, vous ne trouvez pas votre place. C'est pour ça que dans certaines familles, vous vous sentez, ça dit vous sentez comme si vous n'êtes pas de cette famille. Ne vous posez plus les questions.
Vivez tout simplement votre vie parce que vous avez une famille. Vous êtes les enfants qu'on a affectés. Vous n'êtes pas les enfants de cette famille. Vous êtes un enfant qu'on a affecté pour venir dans la famille pour une mission précise. Si vous forcez trop les choses, on va vous tuer. Ou plutôt, ils vont vous rendre un genre, ils vont vous rendre la vie impossible. Parce que vous ne venez pas d'eux. Est-ce que tu as déjà eu une soeur et un frère, ils s'entendent de tout le monde, on te met toujours à l'écart. Tu te poses des questions, tu n'as rien fait, mais ils se comportent avec toi comme si tu étais un enfant adoptif. Pourtant, vous êtes même père, même mère. Tu es une âme qui a été affectée d'une autre planète pour venir jouer ton rôle dans cette famille. Tout de même comme le père et la mère peuvent être purs d'esprit. Maintenant, lorsque la mère est enceinte, on affecte un mauvais esprit. Et il y a un enfant qui nuit à tout le monde dans la famille. Parce qu'il vient d'une autre planète. Chaque fois que je vous dis, je marche, personne, les choses ne changent de disque. Le salut est individuel. Si vous saviez ce que vous pouvez faire et que vous ne le faites pas au quotidien, et que ça ouvre les portes à ces gens. Ma chérie, lorsque tu es dans une famille et que cette famille ne t'accepte pas, cherche ton identité spirituelle. Tu peux être un enfant qui a été affecté pour un rôle précis dans cette famille. Donne-leur même les millions. Tu ne seras jamais accepté dans cette famille. Parce que tu n'es pas venu de la même côte qu'eux. Tu as été affecté d'une autre planète pour venir pour une mission précise. Parfois, ils sont en train de t'empêcher de faire ta mission, ils te bloquent. Tu te poses des questions, tu pleures tous les jours, tu pleures quoi? Ta famille, spirituellement, ce n'est pas ta famille. Physiquement, c'est ton père, c'est ta mère, c'est tes frères, mais spirituellement, ce n'est pas ta famille. Que tu le veuilles ou pas, tu viens d'une autre planète. Une planète supérieure même à la leur. Il t'écrase. Pour que tu ne saches jamais que tu es venu là-bas pour une mission, il t'écrase. Tu es là, tu pleures, tu prends l'argent. Oh, j'ai amené toutes mes soeurs et mes frères en Europe. Il y a une autre, elle a amené tous ses frères et ses soeurs. Sa propre petite fille a arraché son mari. Quand elle a voulu parler, sa mère lui dit, si tu tentes de toucher sur mon affaire, je vais te montrer. Elle pleurait. Je lui ai dit que tu n'es pas d'abord de cette famille. Tu te tais, tu me la boucles. Comme moi-même, je suis aussi un petit mauvais. Je suis parfois méchant. Je dis que tu n'es même pas d'abord. Oh, tu as été affecté dans cette famille. C'est ton père, c'est ta mère. C'est tes soeurs. Vous êtes nés du même ventre. Mais tu n'es pas de cette famille. Tu n'es pas de la même côte qu'eux. Tu as été affecté. Ils vont t'abuser jusqu'au... J'ai dit, vis ta vie. Avant qu'elle ouvre ses yeux, même la maison qu'elle avait construite, ils ont pris. Elle dit que c'est là où elle vient me dire, tu disais quoi? J'ai dit, tu n'es pas de cette famille, tu es venu en mission dans cette famille. Tu as été affecté d'une autre planète pour venir pour une mission précise. Cherche ta mission, fais la tête toi et puis fais ta vie. Si sa mission, c'est, si ta mission c'est de les exposer, expose-les et puis tu prends ta route. Sinon, ils auront ta tête. Arrête de te poser les questions lorsque dans ta famille, tu fais les efforts et que personne ne reconnaît. Je vais prendre le temps de vous expliquer pas à pas. Je vous avais parlé de l'esprit de la nativité. Banque, je vais te bloquer sur mon mur, s'il te plaît. Arrête ça. Je vais prendre le temps pour vous expliquer pas à pas Je vais prendre le temps pour vous expliquer
Oui, Nicole Ngoendi. Arrêtez de vous plaindre. Il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque quelque chose arrive et que ça dépasse votre entendement, vous pouvez vous énerver sur le coup si vous êtes très émotif. Mais après, dites, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Le train des Eka. Je devais prendre ce train jusqu'à j'avais même choqué pour qu'on me trouve une place. La personne qui m'avait pris pour aller m'offrir un pamplemousse au quartier, j'ai bavardé sur lui jusqu'à. C'est quand le train a fait l'accident que j'ai dit que j'ai eu honte. Afrobac Africa, merci. Lorsque quelque chose t'arrive, ne fais pas comme moi, parce que je m'emporte souvent facilement. Prends ton temps. Observe la scène. Parfois, Dieu peut utiliser même une personne qui était autour de toi pour te montrer qui il était et te dire certaines choses. Il faut savoir étudier chaque mot que les gens te lancent. Lorsqu'il t'arrive un événement fâcheux, ce n'est pas grave. Tout ce que la nature fait est bon. Parce que votre ange gardien est actif. Les esprits sont solidaires entre eux. Même lorsque tu es attaqué, lorsqu'on croit qu'on t'a mis à terre, quelque part, il y a un esprit que ton esprit, ton ange gardien, a fait l'amitié. Je vous avais dit que les esprits fonctionnent comme les humains. Il a ses amis et ils se font des confidences. C'est-à-dire, il a eu à secourir quelqu'un que son ange gardien était attaqué. Il dit à l'ange gardien de la personne, si un jour je suis en difficulté, viens-moi en secours à telle personne. Parfois l'esprit te parle. Parfois l'esprit entre sur quelqu'un qui est à côté de toi pour te parler. Lorsqu'il voit que tu es vraiment plus bas, au plus bas, tu ne parviens pas à l'écouter. Vous devez maudire tous les jours les gens comme les Emmanuel Macron, comme les Joe Biden. C'est des diables. Vous n'avez pas à leur donner votre bénédiction. Dans le cas contraire, tes. Parce que tout ce que vous sortez de votre bouche, ça forme les égrégores. Les esprits de l'astral divin, lorsqu'ils descendent pour les frapper, il y a des égrégores. Parfois, taisez-vous. On ne vous a rien demandé. J'avais pris une habitude que chaque fois quand je faisais quelque chose, j'avais une amie, hein, je croyais qu'elle était ma meilleure amie. Je lui disais, jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle était un agent double mandaté pour être près de moi, pour contrôler tout et rendre compte dans le monde des ténèbres. Parce que lorsqu'on vous persécute, on a toujours besoin que vous soyez entouré de quelqu'un qui est même le petit sorcier pour vous contrôler et rendre compte. C'est la personne à qui tu vas tout dire, tu vas tout faire, tu vas faire marcher et tout et tout. Parfois, la personne est mandatée. C'est pour ça que quand vous êtes trop persécuté, marchez seul. Je n'ai pas dit que vous allez chasser tout le monde, marcher seul. Quand on dit marcher seul, ça t'isole. Écoute, tu ne parles pas. Ta vie privée, ça te regarde. Les gens ne devraient pas vous maîtriser. Moi, on ne me maîtrise pas.
Les gens croient qu'ils peuvent me maîtriser. On ne me maîtrise pas. Si j'entre à droite, hein, ne m'attends plus à droite. Parce qu'elle va sortir derrière. Cette fin d'année va emporter beaucoup de personnes. Des personnalités. Il y aura du deuil et des grincements de dents. Un crash d'avion se prépare. J'espère qu'ils vont pouvoir éviter ça. Je l'ai dit depuis. Parce que dans les avions, il y a des innocents. Dans les avions, il y a les innocents. Allez faire vos pépins entre vous. Laissez les innocents en paix. Il y aura beaucoup de têtes de grandes personnalités qui vont tomber. Et même si à un moment donné, vous voulez faire vos crashs d'avion, faites-le dans les vols qui partent vers là-bas. Vers là-bas. Ne faites pas dans les vols qui partent vers l'Afrique. Restez là-bas avec ça. Si vous trouvez que c'est la solution, pourquoi pas? Mais restez là-bas avec ça. Le monde est devenu maintenant qu'on affecte même les esprits pour vous contrôler. Déjà, parfois, que vous êtes même une personne affectée dans une famille qui ne vous accepte pas. C'est ton père, c'est ta mère. Tu n'es pas dans un foyer de polygamie, c'est tes soeurs. Mais on ne t'accepte pas parce que tu es affecté d'une autre planète et tu es venu t'imposer dans leur famille. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça plus profondément dans un direct. Soyez moins émotifs. Est-ce que vous saviez que tout ce que vous dites, ça forme des égrégores pour certaines personnes? On t'a rien demandé. Ne dis rien. Oh, Joe Biden, oh, Joe Biden, le souffle, l'énergie qui sort de ta bouche, ça forme les égrégores. Qui élève Joe Biden, ça donne la force à Joe Biden. Moi, je dis, moi, la fille, l'esprit du soleil, l'ouragan, je dis, la mission que Joe Biden, ou c'est le Joe Biden, ou c'est le Joe Biden, est venue, que ça lui retombe dessus. Qu'il soit frappé avant de réaliser même ça. Et j'ordonne aux esprits de la salle de descendre une fois de plus au Cameroun. Ce n'est pas une inondation cette fois-ci. De me terrasser tout le régime en place là-bas. C'est un ordre que je donne à tous les esprits de la salle divine. De descendre au Cameroun et de me terrasser le régime qui est en place actuellement. Sans possibilité que la France puisse s'imposer. Dans le cas contraire, qu'il y ait une guerre spirituelle, on va survivre. On a déjà survécu qu'il tue comme ça, qu'il verse le sang des gens. C'est pas parce qu'on est ministre de l'administration territoriale qu'on doit tuer les gens qui vivent sur le territoire. Que ça s'arrête. Avec effet immédiat. Que tout dit soit inondé, on s'en fout. Que les esprits de la salle divine descendent à Yaoundé.
Détruisez-moi tout ce qu'ils ont planté là-bas. Montrez que vous êtes supérieur à eux. Que ça sorte. C'est pas Guillou qui va venir à servir un peuple comme le mien. Je dis non à ça. J'ordonne la séparation de sa servie et ceux qui asservissent les gens. J'ordonne une séparation entre la France et le Cameroun. Que ça casse, on n'en a rien à foutre, on va survivre. Qu'ils soient emportés. On n'en a rien à foutre. Moi particulièrement. Avec effet immédiat. Qu'il y ait des pleurs et des grincements de dents dans le gouvernement actuel au Cameroun. Que la tête tombe et ramenez-moi leur scalp. J'ordonne à tous les esprits de l'astral divin de descendre, de se mettre au travail. Je n'ai pas pris pour habitude de fêter mes anniversaires. La seule fois où j'ai osé fêter mon anniversaire, c'était en 2015. La fête a mis 3 jours. J'avais des amis qui venaient de partout, ou plutôt des connaissances. Je suis une âme solitaire. Je suis une âme mystérieuse. Pour mon anniversaire cette année, j'ordonne aux esprits de l'astral divin de faire du ménage au Cameroun. De mettre le régime de Yaoundé en difficulté. Le peuple au-dessus de ces satanistes. Mettez-moi les enfants de Dieu au-dessus de ces satanistes. Maintenant, avec effet immédiat. Je ne veux pas savoir si quelqu'un est ministre ou c'est de l'administration territoriale ou plutôt nanani, c'est lui qui monte les gens pour tuer les gens. Ça ne m'intéresse pas. Esprit de l'astral divin, descendez maintenant. Raser, frapper, tuer, nettoyez-moi ce régime de Yaoundé. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est un ordre que je vous donne. Pays multiculturel. Où on impose des choses, ils ont changé de stratégie. Ils imposent aux jeunes dans les entreprises d'entrer dans les loges. Il y a la famine. Les jeunes sont obligés de survivre. Ils les suivent aveuglément et on les sacrifie. Malheur à l'esprit! L'astral divin. C'est un pays qui est devenu maintenant que tu payes la scolarité à ton enfant, tu l'envoies, ton petit garçon, on lui dit baisse-toi, ça va pas faire mal, on va vite passer. Ou plutôt entre dans ça. Dès que l'enfant entre, c'est la famille qui est en danger. Il commence à vouloir sacrifier tout le monde. Vous vous prenez pour qui? Tout ça imposé par les gens comme
La demoiselle, là, s'appelle qui, là, non? Tata André, qui est ambassadeur de la France au Cameroun, là. Tata André, là. Guillou. Tata André Guillou. Vous prenez pour qui? Laissez-les signaler le direct, j'ai déjà terminé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je bois pas, je fume pas. Si oui, occasionnellement, deux fois par an, quand ça me prend. Et je profite de cette occasion pour envoyer une prière vers les victimes. Parce que parmi ceux qui me suivent, il y a les gens du Lance Club qui viennent verser le sable dans mes yeux. Il y a les gens du Rotary, les francs-maçons, les osécritiens. Vous allez me faire quoi? Rien du tout. Maintenant, il y a les enfants de les vrais enfants de Dieu, les naïfs qui sont là, ils sont eux les victimes. Je voulais vous envoyer, ça dit vous dire merci. Merci pour les vœux d'anniversaire, merci, ça me va tout droit au cœur. Je referai un autre direct demain pour vous parler des âmes affectées. Les âmes qui sont affectées. Bien le bonsoir, chers tous. Je vous laisse la musique.